Donc du coup voilà, le but c'est quand même d'améliorer donc la composition corporelle de nos sportifs, donc d'augmenter leur masse musculaire et souvent du coup de perdre de la masse grasse sans forcément, comme je disais au début du cours, sans forcément perdre de poids, mais de remplacer la masse grasse par la masse musculaire. Donc il y a souvent un moment de toute façon où il y a un besoin d'affûtage. Du coup il y a différentes façons un peu de mesurer la composition corporelle. La façon que vous avez dû le plus souvent voir, c'est la pince à pli, hein, donc super agréable. Donc qui nous permet de nous donner que le pourcentage de masse grasse. Donc en fait on prend, donc c'est différent, il y a des 4 plis, 6 plis, ça dépend. Donc on prend juste les plis cutanés en fait, souvent c'est biceps, triceps, sous l'omoplate, au niveau du ventre, il y a au niveau de la cuisse et au niveau du mollet.